Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, 13 janvier, nous allons bien nous amuser, je pense. Je vais vous présenter un artiste de rue, Jordan Saget, qui, à mon avis, utilise la technique des petits carrés magiques, mais grandeur XXL. Il répète un motif dans les rues de Paris. Je vous montre tout cela en image. Le motif que Jordan Saget répète, ce sont trois lignes parallèles. Je vous lis des extraits de l'interview qu'il a accordée au magazine Urban Arts en juin 2020. Mes lignes forment en réalité la réponse à une longue quête de sens. J'ai commencé par dessiner des frises sur mes cahiers d'école à la recherche d'une formule magique du bout. Cet artiste va passer du papier au bitume et il choisit d'utiliser la craie. Pourquoi ? Voilà ce qu'il dit. Tout d'abord, j'aime le jeu qui se crée entre mes lignes et la rue, les bâtiments, le décor qu'est Paris. Elles prennent vie tout en résonnant avec la ville. Puis 2015, j'ai dessiné plus de 2000 œuvres dans les rues de Paris et la craie, c'est avant tout l'innocence de la cour d'école. Il travaille avec différents stylistes, Jean-Charles de Castelbajac, Agnès B. et aussi avec des marques comme Le Coq Sportif. Pendant le premier confinement de mars 2020, il propose aux gens de lui envoyer des photos de leurs fenêtres ou de leur promenade quotidienne et ensuite il a apposé ces trois lignes sur ses photos. Aujourd'hui, j'ai plusieurs propositions à vous faire. Vous choisissez une photo et sur cette photo, vous dessinez ou des lignes comme Jordan Saget ou alors un motif qui vous plaît bien. Sans surprise, moi j'ai choisi le motif de la vague. Vous pouvez faire le motif des petits carrés, des lignes brisées, des traits, vous choisissez vraiment ce qui vous plaît. Deuxième proposition, vous prenez des craies et vous allez dehors tracer votre motif. Oui, j'ai osé. N'oubliez pas de prendre une photo de votre création éphémère. Vous pouvez aussi customiser une de vos chemises. T'oublies de dire que j'ai une belle chemise. Arrête la frimeuse. J'espère que vous vous êtes bien amusés et j'ai hâte de voir toutes vos créations. Tu m'énerves. Un masque, s'il te plaît. Un masque avec des lignes. J'ai hâte de voir vos créations sur le forum. À bientôt, à demain, pour une autre vidéo. Les lunettes, s'il te plaît.